Ça, c'est le terrain. Quand ça va être plein de feuilles, là, ça va être merveilleux. Bon, c'est ça que le chalet. Fait que le spot pour peut-être mettre le banc serait là. On peut peut-être faire un feu le soir, mettre le banc là. Puis quand on aura un paquet de feuilles, on peut faire jouer le banc pas loin de la swamp là-bas. C'est pas super. Fait que, regarde. On fait un peu de ménage ici. Replacer. Replacer le banc en coin ici. Là. Juste là. Je mettrais une GoPro là. C'est genre. Fait que ça ferait cet angle-là. Ici. Peut-être un angle demain avec le banc. Pogner avec le feu. De l'autre bord. Cette poignée. Même. Puis là, on va voir la place que je voulais faire. Des scènes assez dégueulasses, assez épeurantes. C'est assez scary. Ouch! Faut pas que je me casse la tête non plus. Fait que là-dedans, l'idée là-dessous ici, c'est de faire pendre les. Tu sais, tu mets une couple de petites Barbie, pas de tête pendue ici, là. Ça serait nice. Puis hein, on peut faire à la Blair Witch aussi, qui serait assez effrayant. Il y a des toiles d'araignée. Puis la nuit, là, avec l'ampoule, là, ça fait tout son charme. C'est sûr qu'il faut avoir le gosse de rentrer en dessous. C'est très salissant. On se comprend que c'est pas un sous-sol. Fait que c'est ça que ça ressemble un peu en dessous du chalet. Mais buried under the chalet, ça fait très bien avec son terme. Puis là, il y a beaucoup de choses alentour. Bon, ici, c'est pas tellement charmant, là, mais. Ça, c'est le devant de la maison. On va aller checker un petit peu en arrière. On peut faire des scènes à la Blair Witch site. C'est assez lugubre. Puis peut-être la nuit avec la caméra, avec la night vision. Ça serait merveilleux. Là, on est rendu sur la petite rue avoisinante, parallèle du chalet, je veux dire. Ici, là, ça va être plein de quais de bateaux de la marina qui est là-bas. Puis ça va être assez avoir un beau décor. Et ici, c'est quand même pas pire comme décor. Quand les feuilles vont être toutes tombées ou rougies. Peut-être que je vais prendre des scènes avant que le banc s'aille ici. Question d'avoir un petit peu de visuel. Peut-être qu'on n'aura pas le temps de faire ça quand on va être sur place. Au départ. Un pas pire spot à prendre ici. C'est sûr qu'au printemps, tout est inondé ici. C'est une grosse swamp. Puis là, en fin d'été, ben, c'est l'eau, elle se résorbe. Fait que ici, là, il y a une belle trail. Mais ici, il y a du potentiel. Du potentiel de Blair Witch encore. Ça serait pas super. Ça, c'est une maison abandonnée, le toit déchiré. Il restait de même. Il y a quand même quelques bicoques assez douteuses dans le coin. Ça fait. C'est sûr qu'il faudrait demander peut-être au voisinage de venir faire un tour si on veut filmer ça. Ils vont penser qu'on est en train de faire un plan d'invasion. Ça serait un petit peu mal vu. Il y a aussi l'accès au lac par ici. C'est un terrain privé quand même. Petite passe Blair Witch, je sais pas. Ça, c'est le lac des deux montagnes. Ça, c'est l'accès du l'accès que j'ai pour avoir accès au lac. C'est ça. Sauf que. En fait, ça, c'est ma chaloupe. Ça a pas l'air pété. Oh, c'est qu'il y a de la marde dedans. Ça va être agréable. Fait que c'est ça que j'ai comme passage.